Hi Mina, c'est Q-chan et bien voilà, je vous retrouve pour l'épisode numéro 2 de Persona 4 Golden, toujours en français. Alors, on m'a proposé dans les commentaires de centrer un peu plus l'écran du jeu par rapport au layout. Vous me direz ce que vous en pensez, comme ça pour cet épisode, on verra bien. Donc voilà, alors, nous avons fait notre premier jour à l'école, nous avons découvert le début du jeu en fait, voilà tout simplement, et nous sommes, voilà, nous sommes après l'école, et techniquement j'étais venue ici pour me sauvegarder, mais il n'y a rien à faire hein, pour l'instant, il est encore trop tôt pour faire quoi que ce soit, donc on va tout simplement retourner à la maison. Est-ce que je prends le temps? Ouais, je vais peut-être quand même prendre le temps de vous montrer un petit peu les différents lieux. Donc, le quartier commerçant, vous l'aviez vu, c'est là où on est arrivé au tout début du jeu. Le centre commercial de Jones, je vais vous le montrer rapidement. Voilà. Je sais pas si on peut vraiment... Ouais. Ouais, en fait, non. Donc, voilà, donc ici, on est en bas du centre commercial de Jones. Donc, c'est le grand centre commercial hein, de la ville. Et donc c'est le seul endroit où on a accès. Tout le reste se fera selon les événements qu'on fera au cours du jeu. Soit quand on aura des liens sociaux, soit pour travailler. Voilà. Ça c'est pour Jones. Donc on voit pas grand chose de Jones, mais on verra plus tard. On a le plan d'eau de Samegawa. Voilà. C'est le chemin qu'on a pris pour aller à l'école, en fait, hein, tout simplement. Et normalement, si on descend... Voilà, on a un petit plan d'eau ici. Tranquille, tout mignon. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous faire un petit peu le guide des lieux. Mais là, on va retourner chez Dojima. Parce que parce qu'il y a rien d'autre à faire pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on est qu'au tout début du jeu. Et donc, on n'a rien de particulier à faire. Donc, rentrons à la maison pour faire passer le temps. Bonjour. C'était horrible. Je travaillais à la ferme et la police est arrivée pour me poser des questions. Ce monde est devenu si dangereux, je peux même pas être tranquille quand je fais les boutiques. Et j'étais partie acheter des tomates spirituelles pour le dîner. Je dois faire quoi maintenant? Oh, c'est pas un problème. Tiens, j'en avais encore en réserve. Je les avais poussées dans mon jardin. C'est pas grand chose. Tout le monde peut faire son jardin tant que tu as une terre non utilisée fertile. Regarde l'espace à côté de la maison des Dojima, par exemple. Il y a assez de terrain pour faire un joli petit jardin. Oh, c'est vrai? S'ils commencent à faire un jardin eux aussi, je peux m'attendre à ce qu'ils partagent leur récolte? D'accord. Ça, voilà. On peut pas être abordé un truc. Donc voilà. J'ai Kotsuki qui ne tient pas en place. Bon, ça, on n'y peut rien. J'arrive pas à le centrer correctement. Voilà. Ça devrait aller un peu mieux. Allez. Oui, aussi, rappelez-vous qu'il y a eu un meurtre, hein, tout simplement. Voilà. On a quand même eu un meurtre. Enfin, un meurtre. Il y a eu un mort, en fait. On sait pas si c'est un meurtre. J'ai dit meurtre, mais en fait, on sait pas si c'est un meurtre. Il y a eu un mort, quoi, c'est tout. Alors... Donc en effet, ici on est en après-midi, si j'entre à la maison, on sera directement au soir. Ça, c'est comme dans tous les Persona. On retourne dans la maison. Peut-être que papa... Pardon. Peut-être que papa ne va pas rentrer ce soir. À la une ce soir, une affaire insolite qui s'est produite dans une banlieue sans histoire. Aujourd'hui, vers midi, le corps d'une femme a été découvert près de la rivière Samegawa à Inaba. Le quartier scolaire est montré à l'école. C'est pourri que ce soit l'incident dont vous avez entendu parler. Il y a de grandes chances, parce que dans les petits quartiers de campagne comme ça, dès qu'il y a un accident, c'est toujours l'endroit qu'on a entendu parler tout près. Hein. Le corps est identifié comme étant celui de Mayumi Yamano, une présentatrice de 27 ans employée par la chaîne locale. Ah bah quand ça c'est fait. L'enquête préliminaire du commissariat de police d'Inaba révèle que... Oh, le commissariat d'Inaba, c'est là où papa travaille. Tu t'inquiètes pour lui? C'est son travail alors ce genre de choses arrive.
Le corps a été retrouvé pendu à une antenne de télévision, sur le toit d'une résidence du quartier. Les forces de l'ordre n'ont pas encore d'explication quant à l'état dans lequel a été retrouvé le corps. La cause du décès étant encore indéterminée, la police continue d'enquêter afin de savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide. Un brouillard épais courant dans la région force la police à remettre le quadrillage de la zone à demain. Oula. Je vais essayer de lire un peu plus correctement. On dirait que la présentatrice de la chaîne locale a été retrouvée morte près du lycée Yozagami. Bah oui, c'est un peu ce que vient de raconter le mec à la télé. Mayumi Yamano, la présentatrice. Sa liaison cachée avec le secrétaire d'un conseiller municipal a été révélée aux informations l'autre jour. Et la voilà morte, en effet. Ils l'ont trouvée sur le toit? Ça fait peur. Ah, c'est Junes! Chez Junes, votre satisfaction est notre priorité. Venez en juger par vous-même et profitez de nos très nombreux produits. Chaque jour est unique chez Junes. Chaque jour est unique chez Junes. Ah ouais, ça va, vous allez droit à chaque fois. Hein. Nanako vous regarde avec insistance. Voilà, nous aussi on chante. T'as déjà tout appris? Je suis la meilleure dans ma classe. Oh! Nanako continue de la chantonner en boucle. On dirait qu'elle a déjà oublié toute cette histoire sordide. Oh, en même temps, elle a quoi? Je crois qu'elle a 6 ans, 6 ou 8 ans, un truc comme ça. Je suis pas sûre de son âge, hein, mais je dirais 6 ans. Mais voilà. Alors, bon, on va aller se coucher, hein, de toute façon. Zut. Je crois que c'était prendre les marques. J'ai eu juste le temps de voir ça. Vous devriez aller dans votre chambre pour vous reposer. Attendez, si j'en fais ça... Ah voilà, prendre vos mains vous a fatigué. Voilà, c'est ça. Allez, hop, allons nous reposer. Hop, directement. Le 13, ok. Non mais il le fait exprès, c'est pas possible. Quelqu'un! Vous devriez peut-être l'aider. Non mais il l'a cherché là, c'est pas possible. C'est un casse-cou lui. Ouf, tu m'as sauvé. Merci. Ah oui, c'est vrai, Teyu Narukami, le nouvel élève. Je m'appelle Yosuke Anamura, ravi de te rencontrer. Ton vélo va bien? Mon vélo? Et moi alors? Yosuke a l'air de bien se porter. Tiens, t'as entendu parler de ce qui s'est passé hier? Ils ont retrouvé la présentatrice perdue à une antenne. Peut-être que c'est un avertissement. Je vois pas comment ça aurait pu être un accident. J'avoue, j'en ai aucune idée. Faut vraiment être taré pour accrocher un cadavre sur un toit. Enfin, faut surtout être taré pour tuer quelqu'un tout court. Mince, on est super en retard. Tu veux monter? Il cuine un peu, mais ça devrait faire l'affaire. Bah vu comment tu roules, je préfère pas honnêtement. Je veux pas finir dans une poubelle moi. Taisez-vous, bande d'idiots! Vous êtes au lycée, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas la flammer durant mon cours! N'avez-vous aucun sens commun? Tout d'abord, mon travail est de perdre mon précieux temps en vous enseignant à vous, crétin, la philosophie! Et puisque je suis gentil! En plus, il est prof de philosophie en plus, mon dieu, quelle horreur! Je vais vous faire sortir de votre débauche tant que j'y suis! N'êtes-vous pas honoré? Vu comment il parle de débauche et tout ça, j'aurais cru qu'il était prof de religion, mais bon. Bah quoi que, en même temps, religion, philosophie, c'est un peu pareil en fait. Hein. Et je serai particulièrement dur envers tous les abrutis qui s'intéressent au meurtre! Compris? Maintenant, sortez vos livres! Vous écoutez la leçon attentivement. Votre connaissance a augmenté. Ok. C'est cool. Alors, tu t'habitues à la vie ici? Ouais. Wow, c'était rapide. Il n'y a pas grand chose à faire comparé à la ville, mais il y a une sorte de truc unique ici. L'air est pur, la nourriture est bonne. Hey, tu connais la spécialité locale? C'est du steak grillé, mec. Comme si c'était spécial. Hein. Ouais, j'avoue, du steak grillé, n'importe quelle ville peut en faire, mais bon. Je connais un endroit où ils en font pas cher. Tu viens? Vu que tu m'as aidé ce matin, c'est moi qui invite. Et moi alors? J'ai pas le droit à des excuses?
Mon trial of a dragon! Il t'apparaît toujours quand je parle de bouffe. T'en penses quoi, Yukiko? Tu penses pas qu'il devrait nous inviter, nous aussi? Sans moi, j'ai pas envie de prendre plus de poids. Et de toute façon, je dois donner un coup de main à l'auberge aujourd'hui. Oh, wow, Yukiko, tu te prépares déjà pour l'affaire familiale? Ça n'a rien à voir. Je les aide juste quand il y a du monde. Bon, je devrais rentrer. Oh, tant pis. On devrait partir maintenant. Je dois vraiment inviter deux personnes? Oh là là, sérieusement. Ah, je kiffe. Je suis trop contente de l'avoir en français pour une fois. Aire de réservation de Jones. Ben voilà, on est à Jones et on est à l'aire de réservation. Apparemment, on doit être sur le toit. Parce que ça, apparemment, c'est, si je comprends bien, c'est là que se trouvent les restaurants. C'est sur le toit. C'est ça, le restaurant pas cher dont tu parlais? Ils ont même pas de steak grillé ici! Ouais, ben, quand t'as réclamé un repas gratuit, j'ai dû changer de stratégie. C'était quand même pas une raison pour nous amener chez toi. Meuf, c'est pas chez moi ici. Ah oui, je t'ai pas encore expliqué. J'ai emménagé ici il y a 6 mois. Le centre commercial venait juste d'ouvrir et mon père a été nommé manager. Du coup, toute la famille s'installe ici. Tiens, pour fêter ton arrivée en ville. Tiens, je te l'offre aussi. Ouais, je sais. Bon, ça va, on se fait des copains au moins. La conversation passe d'un sujet à un autre. Ouais, comme tout adolescent, quoi. Ça fait seulement 6 mois que c'est ouvert et je vais déjà quasiment plus dans le quartier commerçant. Ah ouais, c'est des problèmes quand on a un grand magasin comme ça ouvre dans les petits quartiers. Il y a beaucoup de petits commerces qui ont fermé et... Tu peux pas tout mettre sous le compte de Jones, tu sais. Ouais, techniquement, Jones n'est pas entièrement responsable, c'est aussi les gens qui te voient dans le petit quartier. Hein. S'ils viennent tous ici, c'est pas étonnant. Hé, hey, c'est Saki. Je reviens tout de suite. C'est sa copine. Dans ses rêves. C'est Saki Konichi. Sa famille gère une boutique d'alcool dans le côté commerçant. Je crois qu'elle travaille ici à temps partiel, par contre. Ah. Salut, comment ça va? T'as l'air crevé. Salut, c'est enfin ma pause. Et toi, ça va, Yosuke? Tu fais tourner la boutique familiale en amenant tes amis? Madame, vous me blessez. Blague à part, ça n'a pas l'air d'aller. Il s'est passé quelque chose? C'est rien, je suis juste un peu fatiguée. Tu sais, si t'as besoin de parler, je suis toujours là. Je... Ça ira, merci quand même. Pourquoi je partais de l'école plus tôt hier? Ah, est-ce qu'elle aurait été l'une des principales témoins de l'accident? Tiens, c'est pas l'étudiant qui a été transféré ici? Oui, je sais, j'aime bien jouer dans le fait que je sais pas, alors que je vous l'ai dit, je connais le jeu par cœur. Mais j'aime bien jouer dans le fait que je découvre avec vous, alors que pas du tout. C'est toi la nouvelle élève? Oh, on t'a déjà parlé de moi? Pourquoi on m'aurait parlé de toi? T'as déjà une réputation? Ça a l'air sympa d'avoir quelqu'un de la ville pour discuter, non? Je vois pas souvent Yosuke traîner avec les autres gars. Pas forcément. Il a pas beaucoup d'amis, donc j'espère que vous allez bien vous entendre. C'est un bon gars. Il est juste un peu fineur. Il faut lui dire en face s'il t'agace. Bam! Ouais, il est un peu agaçant. Non. Si, il est un peu agaçant. Mais Yosuke est gentil. Non, c'est un bon gars. Je sais, je plaisante. Arrête, Saki. C'est pas la peine de s'inquiéter pour ça. Bon, ma pause est bientôt finie. Je retourne au travail. A plus. Saki! Elle a beau dire que je suis agaçant, elle est encore plus fouineuse que moi. Elle a un petit frère, et elle me traite quasiment de la même façon. Ah, t'aimes pas qu'elle te traite quand même comme un frère, hein? Je vois, c'est ça. C'est à ça que tu penses?
La fille d'une petite boutique familiale et l'héritier envahisseur d'une grande chaîne de distribution. Oh oh, l'amour interdit. Hein, meuf, ça n'a rien à voir. Ah bon, mais je sais comment guérir ton chagrin d'amour. Vous avez entendu parler de la chaîne de Minnie? Il faut se mettre devant une télévision éteinte tout seul à minuit pile pendant un soir de nuit, de pluie. Et là, alors que tu regardes ton reflet, une autre personne va apparaître à l'écran. Et il se dit que cette personne est en fait ton âme sœur. Attends quoi? J'ai cru que t'allais nous dire quelque chose d'utile. Comment tu peux être autant à fond sur une légende urbaine aussi enfantine? Enfantine? Donc tu crois que c'est faux, pas vrai? Évidemment que c'est faux! Dans ce cas, vu qu'il peut se voir, on n'a qu'à tous essayer et tu vas voir. Et tu vas bien voir! Essayer? Attends, tu l'as même pas essayé toi-même? Ouais, j'essaie de me souvenir de la dernière fois où j'ai entendu un truc aussi stupide. À part ça, vous savez l'incident d'hier, vous croyez que c'était un meurtre? Oh, imaginez si le coupable est encore dans le coin! tu devrais pas rire de ce genre de choses. Qui c'est l'enfant maintenant? Tout ce que je veux dire, c'est que vous devriez essayer ce soir! Vous venez d'apprendre la rumeur de la chaîne de minuit, qui dévoile votre âme sœur un soir de pluie. Peut-être que vous devriez essayer cette nuit. Ok. La fameuse chaîne de minuit, la Midnight Channel. Alors si quelquefois je fais des références à l'anglais, parce qu'évidemment j'ai tellement joué à ce personnage-là que voilà. Mais voilà. Bon. Encore un dîner seul avec Nanako. Voilà, pauvre. Je la plains sur, avant qu'on était là, qu'est-ce que ça devait être pour elle? Ne t'inquiète pas. Ouais. Ah! Oh! Il est rentré! Quelle journée! Je suis rentrée. Il s'est passé quelque chose pendant mon absence? Non! T'es encore en retard! Désolée, j'ai eu beaucoup de travail. Tu peux mettre des infos pour moi? Et maintenant, plus de détails sur l'incident à Inaba, la ville brumeuse. Le corps de la présentatrice Mayumi Yamano a été retrouvé pendu au-dessus d'une maison dans cette ville rurale isolée. Il a été révélé que Madame Yamano avait une liaison avec Taro Namatame, le mari de la chanteuse d'Anka Mizuzu Iiragi. C'est un rapport complémentaire sur l'incident d'hier. Oh, pardon, c'était moi ça. Quand la présentatrice Madame Yamano était en vie, elle avait une liaison avec le secrétaire d'un conseiller. La femme du conseiller semblait être Mizuzu Iiragi, une chanteuse d'Anka. Ça fait 3 jours qu'on nous parle de ça. Hein. La police est sur le point d'enquêter sur cette liaison et d'interroger toutes les personnes liées à l'affaire. De plus, voici une interview exclusive de l'étudiante qui a découvert le corps de Madame Yamano. Ils ont interviewé la fille, mais comment ils l'ont retrouvée? Ah bah ok, bah c'est bien, c'est Saki. À quoi tu pensais quand tu as vu le corps? Tu as remarqué qu'elle était morte? Tu as vu son visage? Tu parles de questions. Le visage et la voix de la lycéenne ont été modifiés. Mais pourtant, elle vous semble familière. Tu trouves pas que ça fait peur que quelqu'un soit tué un jour de brouillard? Attendez. elle a été tuée? Est-ce que tu as vu quelqu'un de suspect? Non, pas vraiment. Je fais la voix modifiée, je sais, ça ressemble à rien, mais bon. Il paraît que tu l'as retrouvée en partant de l'école en avance. Tu avais un truc important à faire? Mais de quoi je me mêle? Hein? C'est... L'enthousiasme du journaliste a l'air de troubler la fille. Bah en même temps, tu m'étonnes. En regardant de près, elle ressemble à Saki Konichi, l'amie de Yusuke. Une tragédie qui s'est produite à côté du quartier commerçant. Beaucoup de commerçants s'inquiètent de perdre leur clientèle à cause de ça. Bah, il la perd déjà avec Junes, donc... si les clients s'en vont, c'est parce que vous en faites toute une histoire. En même temps, il se passe quoi d'autre à raconter dans ce petit village? C'est vraiment une affaire étrange, non? Je veux dire, elle était pendue à une antenne. J'ai envie de dire que c'est un avertissement laissé par le coupable. C'est vrai, mais pour l'instant, personne n'a revendiqué ce meurtre. On a eu plein de canulars téléphoniques, par contre. On ne connaît toujours pas la cause du décès, et pas un seul suspect non plus. Et c'est l'argent du contribuable qui finance des policiers incapables de déterminer si c'était un meurtre ou un incident. Ah.
On revient sur cette histoire juste après la publicité. Chez Dunez, votre satisfaction est notre priorité. Venez en juger par vous-même et profitez de nos très nombreux produits. Chaque jour est unique chez Dunez. Oui, je vous l'ai dit, vous aurez droit à chaque fois. Chaque jour est unique chez Dunez. Dis papa, on peut aller à Dunez un jour? Non? On dirait qu'il s'est endormi. Sérieux? Bon, Dojima s'est endormi sur le canapé et moi, je vais dans ma chambre. La pluie commence à tomber. Vous vous souvenez avoir promis de tester la rumeur concernant la chaîne de minuit. Vous devriez la regarder dans votre chambre. Regardez la télé dans ma chambre. Je crois qu'il y a une cinématique après, normalement. Il va y avoir une cinématique après ça. Vous entendez la pluie tomber dehors. Il est presque minuit. Votre âme sœur apparaît si vous regardez la télé un soir de pluie. L'histoire de Chie serait-elle vraie? Ça commence. BAM! Coup de lapin! Est-ce que ça va? Ça va! Ok. Bon, bonne nuit. Et il aurait pu se tuer, n'empêche. Hein. Nanako semble être retenue dans sa chambre. Que va-t-il se passer? Vous décidez d'en parler aux autres dès demain. Ça commence. Super timing! Désolé, écarte-toi! Thier est venu précipitamment sous votre parapluie. J'avais le mien, mais j'ai vu ce film de Kung-Fu où ils utilisaient un parapluie pour sortir des super mouvements. Et j'ai cassé le mien en essayant de refaire comme dans le film. Au fait, est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. Ha ha, tu l'as dit! Mais la personne qui est apparue... Laisse tomber, je garde ça pour en parler avec les autres. On va être en retard en cours. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu gênant de parler de ça maintenant, mais on est proche là-dessous. Il dit bah oui, en même temps, le parapluie fait pas 20 km. Je vais juste y aller et courir pendant le reste du chemin. Tu vas rappeler froid. Oh oui, tu as raison. Si j'attrape froid, ça se propagerait et ce serait chiant pour tout le monde. Bah, je pense que je vais y aller avec toi. Ok, on y va. Ouais, parce que sinon, les rumeurs comme quoi on est déjà en couple, hein, vous savez, tout ça, hein. C'est des étudiants, ça, c'est des lycéens, quoi. Oula! Prof d'histoire!
Ah oui, alors... Je me rappelle... Alors, je me... Non, dans Persona 5, ils étaient assez soft, les profs. Mais alors ici, ils sont tous d'une caricature magnifique. Hein, Alors... Bonjour tout le monde, je suis Kimiko Sofue. Et je ne sais pas pour vous, mais je suis une experte de l'histoire du monde. Ça se voit. D'abord, présentation. J'adore utiliser mon sourcier pour trouver des objets perdus et rien ne vaut une bonne romance. Alors le sourcier, c'est pas pour trouver de l'eau, techniquement. En fait, l'histoire du monde est une belle romance. L'histoire est une rivière et elle est née dans le passé et s'écoule vers le futur. Oh, c'est joliment dit. J'espère que nous profiterons ensemble de la profondeur de l'histoire. Ho ho ho! Et puisque c'est mon premier cours, je vais commencer avec une question facile. Le nouveau, Monsieur Narukami, levez-vous, s'il vous plaît. Je vais être le seul à me lever pour répondre aux questions. Hein. C'est ça qui va être génial. Le calendrier occidental est basé sur l'anneau Domini, l'année désignée comme celle de la naissance de Jésus-Christ. Comment s'appelle l'année précédant un an après Jésus-Christ? Je sais plus. Attendez, je vérifie un truc. Par contre, je me suis déjà gouré avec la première réponse de Chi. Fallait pas répondre ce que je lui ai répondu pour avoir des points en plus. Tant pis. Attendez, je sais plus où j'en suis, moi. Ah non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ok, ça va. Donc c'est celle-ci. Vous avez donné la réponse qui vous semble juste. Ah, tu sembles comprendre. Si vous voyez l'histoire comme les maths, zéro après serait la réponse logique. Mais l'histoire du monde est bien plus compliquée. Le calendrier grégorien que l'on utilise aujourd'hui est basé sur le calendrier julien, qui fut créé quand le chiffre zéro n'existait pas. C'est pour cela que lorsqu'on compte à l'envers, on va directement de 1 après à 1 avant. J'espère que ce fut une bonne introduction à l'histoire du monde. Vous avez donné la bonne réponse. Vos reconnaissances augmentées. Alors oui, encore une fois, j'ai une solution avec moi, mais pas pour le jeu, uniquement pour avoir les bonnes réponses, pour gagner rapidement mes points aussi bien d'études qu'avec mes liens sociaux. Hein. C'est pour ça, encore une fois. Pourquoi son cœur était pendu à l'envers? C'est trop flippant! Tu penses que c'est genre pour imiter une exécution? C'est dingue! Une copine m'a dit que c'est Saki, une troisième année, qui a trouvé le corps. Yo, c'est pas vraiment important, mais hier à la télévision, j'ai... Ah, laisse tomber. Je te dirai ça plus tard. Yosuke, t'as entendu la rumeur? C'est Saki qui aurait trouvé la corde de la victime. Bah, je me demande si c'est pour ça qu'elle avait l'air si déprimée. Je crois qu'elle n'est pas venue en cours aujourd'hui non plus. Hein? Tiens, Yukiko, tu vas encore aider à l'auberge aujourd'hui? On est vraiment débordés en ce moment. Désolée. Et hop là, au revoir. C'est moi, Yukiko, elle a l'air vraiment stressée aujourd'hui. J'imagine qu'ils la font vraiment trimer. Au fait, vous avez regardé hier, Hein? Ah, toi aussi t'as regardé? Ouais, j'ai vraiment vu une fille. Mais du coup, mon âme sœur est une fille? Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrivais pas à voir qui c'était, mais je suis sûre que c'était une fille. Elle avait les cheveux bruns jusqu'aux épaules, et elle avait notre uniforme aussi, et... Je crois qu'on avait la même personne. J'ai pas vu autant de détails par contre, l'image que j'ai vue était bien plus floue. Quoi? Tu l'as vue aussi? Et c'est la même fille? Ça veut dire qu'on a la même âme sœur? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et toi, tu l'as vu aussi? Ouais. Vous leur expliquez ce qui s'est passé hier soir. On dirait bien qu'on a tous vu la même personne. Mais même sur cette histoire de voix, tu dis que la télévision t'a aspiré? T'étais crevé à ce point hier? Je crois que tu t'es juste endormi devant la télé. Ce serait un rêve très intéressant, quand même. J'aime bien le moment où t'es resté coincé parce que ta télé était trop petite. C'est plutôt réaliste. Si elle avait été plus grande. Oh, ça me fait penser. Ma famille pense à acheter bientôt une télé plus grande. Ah ouais? C'est vrai que les écrans en plat sont à la mode ces derniers temps.
Ça te dit de venir les voir en rentrant? On améliore le rayon électronique ce mois-ci. Oh, carrément! Mes parents, ils connaissent rien en électronique. Et je veux vraiment voir mes films de kung-fu sur un grand écran. Hala! Ouais, c'est un peu la garçon manqué du groupe. Hein. On en a des vraiment grands en stock. Tu pourrais même rentrer complètement dedans. Ouais, ils me croient pas, évidemment. Hein. Ils ne vous croient pas du tout. Ce que je peux comprendre. Hein. Vous décidez d'aller à jeunesse avec les autres. Je lis trop vite, Q. Fais attention à ce que tu fais. Jeunesse, rayon électronique. Allez, nouvelle partie. Oh, putain. Oh, elle est énorme. Voyez encore, on fait plus grand maintenant encore. Eh, hey, mon Dieu, c'est si cher. Qui achète un truc ainsi? Bah, il y en a beaucoup en ce moment. Je sais pas. Les gens riches? Il n'y a pas grand monde qui vient pour acheter une télé ici, en vrai. C'est pour ça qu'on ne met pas autant de vendeurs dans le coin. Ouais, ça vaut pas trop le coup d'essayer, j'imagine. Au moins, regardez, c'est gratis. Non, il se passe rien, évidemment. Voilà la preuve que c'était qu'un rêve. En plus, ces écrans plats sont tellement fins, ils finiraient juste de l'autre côté. Qu'est-ce que je raconte, moi? Donc, Chi, que cherchez-vous comme modèle de télévision? Ils ont dit qu'ils en voulaient une pas trop chère. T'as quoi à proposer? Là qui joue les vendeurs, l'autre. Alors, mademoiselle, pourrais-je vous suggérer celle-ci? C'est notre tout nouveau modèle, paru le printemps dernier. Le dernier modèle, tu parles? Quoi? C'est super cher! Il y a beaucoup trop de zéros! J'aurais dû te demander tout de suite ce que tu voulais dire par pas trop cher. Mais tu connais des gens, non? Allez, fais-je des relations! tu sais que je peux pas faire ça, surtout avec une télé, t'es folle, toi. Et tu penses quoi de celle-ci? C'est un modèle d'exposition. Elle est un peu vieille, mais bon. Avec une télé de cette taille, vous pourriez vraiment y entrer. Et... Hop là! Alors, il n'y a aucune caméra pour voir ce que je suis en train de faire au passage? Parce que me dis pas qu'il n'y a pas de caméra dans la zone électronique hein, du magasin. Ah oui. Yue, quel genre de télé tu... Pourquoi je l'appelais Yue, moi? You. Hein? Un problème, Yusuke? Son bras dans la télé! C'est un nouveau modèle avec genre une nouvelle fonction? Mais n'importe quoi! Non mais tu déconnes! T'as vraiment foutu ta main à travers l'écran? Oh la vache, c'est pas une blague! C'est un sacré tour, mec! Comment ça marche? C'est quoi le truc? Il vous regarde abasourdi. Vous devriez pouvoir passer plus que votre bras. Non mais il y a vraiment aucune caméra pour voir ce que je fais! Hey, fais pas ça! Qu'est-ce qui te prend? Oh mon Dieu! C'est vide à l'intérieur. Vous le leur dites. Tu veux dire quoi par à l'intérieur? Tu veux dire quoi par vide? Ça a l'air de très spacieux à l'intérieur. Tu veux dire quoi par spacieux? Je veux dire, c'est quoi ce délire? Merde! Tout ça c'est beaucoup trop pour ma vessie! Qu'est-ce que... Tu vas te pisser dessus? Ah, je me retiens depuis ce matin, j'ai pas eu le temps d'y aller! Mais y a pas de chiottes à l'école ou quoi? Ah, j'en peux plus! Merde, les clients, ils arrivent! Mais y a pas... Même les clients, y a pas une caméra pour surveiller! Je sais pas, franchement. Quoi? Mais il a oublié quoi ça dans la télé? Qu'est-ce qu'on va faire? Oula, 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 oula! Attention! Ah
Alors, n'empêche, vu comment ils sont tombés, ils ont plus de coccyx, hein, parce qu'ils sont tous tombés sur les reins, là. Hein. Le coccyx, il est mort. Hein. Bon, on est encore en vie, non? Vous allez bien? Ah, ma compréhension a augmenté. Je crois que je me suis cassé le coccyx. Ouais, bah j'en parlais, justement. Ça m'étonne pas. Bon, techniquement, si tu l'avais cassé, tu serais pas debout, hein, mais bon. Ouah! Quoi? Tu t'es pissé dessus? Mais non, abruti! Regarde! On dirait un centre de tournage. On est dans un studio? Et tout ce brouillard? Ou c'est de la fumée? Y a aucun endroit de ce genre à Inaba, si? Carrément pas. La vache, c'est énorme ici! Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on doit rentrer à la maison et... Par où on rentre? Hein? Attends un peu, on est rentré par où déjà? Bah vu qu'on s'est cassé la gueule par le plafond, j'irai. Je vois ni entrée ni sortie. Quoi? C'est pas possible. Mais c'est quoi ce délire? J'en sais rien, me demande pas. J'en peux plus, je veux rentrer à la maison. D'accord, mais comment? Yo, vous allez... Alors demain, vous allez vous calmer. T'as raison, ok. On doit se poser et y penser calmement. Bon, on doit trouver un moyen de sortir. Tu penses vraiment qu'une sortie existe? Si on est rentré, c'est qu'on doit pouvoir sortir, non? C'est vrai, mais... S'il n'y a pas de sortie, on est coincé. Donc, on croise les doigts et on cherche. C'est quoi cet endroit? C'est différent de là où on était avant. On est dans une sorte de bâtiment, mais ce brouillard est tellement épais, je vois presque rien. T'es sûr qu'on n'est pas en train de s'éloigner encore plus? Je peux pas en être sûr, mais on doit se fier un peu à notre instinct. Je sais, mais... Il semblerait que pour l'instant, vous n'ayez pas d'autre choix que d'aller vers l'avant. Toujours en avant! Oula. C'est moi ou le brouillard est plus léger ici? Pas de réseau. Quelle surprise. Vous voulez pas ralentir un peu, les gars? C'est déjà suffisamment difficile de voir où on va. Hein? Mais quoi? Oula. Vous l'avez vu? Il y a un nœud coulant. C'est une impasse et il n'y a pas de sortie. Plus on s'enfonce, plus ça devient flippant. Ah, je peux plus me retenir. Ma vessie va exploser. Yosuke, qu'est-ce que tu fais? Je dois tout lâcher ou je vais me pisser dessus. Tu vas pas faire ça ici. Oh, mais tu déconnes. Ah, retournez-vous, j'y arrive pas si tout le monde me regarde. Ah, j'y arrive pas. Ce sera votre faute si ma vessie éclate. Je m'en tape. En général, quand tu dois pisser, quand tu regardes ou pas, tu pisses. Hein. Bref, c'est quoi cette pièce? Regardez ces posters. Leurs visages sont tous découpés. Quelqu'un devait vraiment détester cette personne. Ouais, et je crois que vous l'avez tous reconnu. Hein. Les gars, une chaise et une corde, ce genre d'installation, c'est jamais bon. C'est un nœud coulant. Est-ce que c'est une écharpe? Allez, revenons par où on est venu. Et cherchons une sortie ou un autre endroit. Hein? Je crois que j'ai déjà vu ce poster avant. Qui s'en fout? Allons-y, j'en ai marre cet endroit. Et je me sens pas très bien. Maintenant que tu le dis, moi non plus. Notre corps est également lourd. Est-ce dû à l'ambiance oppressive de cette pièce? Alors j'aurais dit oppressante, mais pourquoi pas. Bon, rentrons.
Je commence sérieusement à me sentir mal. Je veux pas... Non, je commence pas à critiquer la traduction. Hein. Oppressive, ça se dit aussi. Hein. Mais bon, pour le coup, j'aurais plutôt dit oppressante. Ce qui veut dire la même chose qu'oppressive, hein. C'est pas un souci. Hein. Phew, on a enfin réussi à revenir. Attendez, c'est quoi ça? Il y a quelque chose là-bas. Ah, le voilà, il est là. C'est quoi ce truc? Un singe? Un ours? Qu'est-ce que c'est? Alors, attendez. Quelle voix je vais lui faire? Si, je sais. C'est ce que je veux savoir. Vous êtes qui, vous? Ça parle? T'es qui, toi? Tu veux te battre? Non, ne me crie pas dessus comme ça. L'ours se recroqueville de peur. Il semblerait peut-être plus approprié de lui parler, de lui demander gentiment. C'est quoi cet endroit? Cet endroit est ce qu'il est. Il n'a pas de nom. C'est là où je vis. Tu vis ici? Si j'étais vous, je retournerais vite de l'autre côté. Quelqu'un s'est mis à jeter des gens ici. C'est super casse-pied. Hein? Jeter des gens ici? Mais de quoi tu parles? Je sais pas qui fait ça. J'aimerais juste qu'ils réfléchissent avant de faire des trucs pareils. C'est quoi ton problème? Et d'où tu te permets de nous crier dessus comme ça? T'es quoi? On est où? Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Oh, il est mignon. Je vous l'ai déjà dit. Peu importe, vous devriez vous dépêcher. Quoi qu'il en soit, tu veux juste qu'on sorte d'ici, non? Eh ben, on aimerait bien. On sait juste pas comment, bordel. Ah, puisque je vous dis que je vais vous laisser partir, Comme on n'arrête pas de te le dire, on sait pas où est cette foutue sortie. Attends, quoi? C'est quoi ce délire? Elle vient d'où cette télé? Ouais, allez, allez, partez maintenant. Je suis un ours occupé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouah, et tu fais quoi? Arrête de pousser! Et voilà, on revient dans le monde réel. Et personne nous a vu. Hein. Personne nous a vu entrer ou sortir de la télé. Hein. C'est normal, tout va bien. Hein? Est-ce que... On a réussi à revenir? C'est un truc qui m'aura toujours fait rire dans Persona 4, c'est que personne ne nous verra jamais entrer ou sortir de la télé. Parce que c'est ici qu'on va rentrer ou sortir de la télé pour aller dans le monde, dans l'autre monde. Hein. Je vous le dis clairement. Mais personne ne nous verra jamais faire. Hein. Votre attention, chers clients. Notre offre quotidienne commence bientôt au rayon accompagnement du premier étage. Pourquoi ne pas profiter de nos délicieux produits récoltés pour vous ce matin pour le dîner de ce soir? Vous êtes tous invités à profiter de cette superbe affaire. Mince, il est déjà aussi tard? On a dû passer beaucoup de temps là-dedans. Mais oui! Maintenant, je me rappelle où j'avais déjà vu ce poster. Regardez, c'est ce poster-là qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Eh, mais t'as raison, c'est le même, sans le visage. J'arrivais pas à voir que c'était Mizuzu Hiragi. On entend parler d'elle partout en ce moment. Je crois que c'est son mari qui avait une liaison avec la présentatrice qui est morte l'autre jour. Mais alors, ça veut dire... La pièce bizarre qu'on a vue, ça aurait un rapport avec la mort de la présentatrice? Maintenant que j'y pense, il y avait ce nœud flippant qui pendait au plafond. Ah, ça suffit, j'en peux plus. On arrête de parler de ça. Je vais me forcer à oublier tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je crois que mon cœur va pas supporter sinon. Ça me donne des frissons aussi. Allez, on rentre. J'ai besoin de m'allonger. Ouais. Ouais, ouais. Oula. Bah et moi alors, pas de bouffe pour moi? Eh, hey, content de te revoir. Vous vous sentez encore épuisé. Bah et ma bouffe alors? Bon, je pense que tu le sais déjà. Mais n'aurais-tu pas entendu quelque chose au sujet d'une élève qui s'appelle Saki Konichi? Elle n'était pas à l'école aujourd'hui.
Oh, je vois. Pour être honnête, nous avons reçu un appel à sa famille. Elle a disparu. Ah bah décidément. On a des gars qui la recherchent, mais personne ne la retrouve pour l'instant. Ah, le travail ne fait que s'entasser. Et maintenant, plus d'informations sur l'affaire qui jette un froid sur la ville brumeuse d'Inaba. Il n'y a pas longtemps, la présentatrice Mayumi Yamano a été retrouvée morte dans cette petite ville. Jusque-là, son emplacement au moment des faits était encore inconnu. Mais l'enquête policière a démontré qu'elle a passé la nuit dans la célèbre auberge de la région, l'auberge Yamagi. L'auberge Yamagi, c'est l'auberge de la famille Yukiko. Elle a apparemment passé la nuit seule là-bas. Peut-être qu'elle prenait des vacances pour se remettre de sa rupture. Ah oui, l'auberge Yamagi. Leurs sources chaudes sont absolument parfaites. La fille de la responsable y travaille aussi. Et on dit qu'elle devrait reprendre l'auberge ce printemps. Elle n'a pas 16 ans, c'est pas un peu jeune pour reprendre une auberge? Si cela arrive, elle sera officiellement l'une des plus jeunes responsables. Je devrais prévoir un nouveau voyage là-bas. Bon, maintenant c'est l'heure du bulletin météo. La pluie a commencé à se calmer. À partir de maintenant et jusque demain matin, la région d'Inaba sera en vigilance pour cause de brouillard épais. La visibilité en sera fortement impactée. Soyez donc attentifs si vous prévoyez de conduire dans la zone. Les infos continuent. Juste avant que la présentatrice ne soit retrouvée morte, elle a passé la nuit dans l'auberge de la famille Yukiko. Et il semble qu'on ne sache pas où Saki Konichi, qui a découvert le corps, se trouve. Est-ce que les ramen sont prêts maintenant? Attends encore un peu. Bon ça... Ah, Chum, vous êtes ennuyé. Vous avez un peu froid. Ah, je suis malade. Tu es enrhumé. Tu es sûrement encore en train de t'habituer à son nouvel environnement. Nanako, tu peux lui donner un médicament contre le rhume? Bah va le chercher toi-même, enfin! Pourquoi c'est Nanako qui fait tout? Tu devrais aller au lit après le repas. Mais j'ai même pas mon repas! Vous n'avez pas pensé à moi! Les gens malades doivent rester au lit. Il y a du brouillard aujourd'hui. Alors tu devrais te coucher tôt si tu veux pas attraper froid. Ok. Bon écoutez, de toute façon, on est presque à 50 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là pour ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Je sais, comme dans tout Persona, l'histoire est un peu longue à se lancer, c'est normal, hein, c'est comme ça avec les Persona. Allez, je vous laisse là et je vous dis... Ciao tout le monde !